vous devriez m'entendre. Donc, j'espère que vous allez bien. Hein, voilà, les amis, Tifouzi, la Roma, Internet, voilà, c'est là. Bon, précipitation, hein, parce que à la base, je devais venir un peu plus tard pour faire le débrief. Et avec ce qui s'est passé, eh bien, bon, voilà, alors, tout est chamboulé. Donc, je pense pas que ce soir on est réunis pour faire un débrief. Avec ce qui s'est passé et donc forcément on n'a pas la tête forcément au football, on a la tête à Indica, Evan Indica, donc quand il y a des choses comme ça qui arrivent, ça te bouleverse tout. Merci beaucoup. Merci à ceux qui... Ben merci, de m'avoir souhaité un bon anniversaire, hein, c'est gentil. Alors au pire, allez, pour l'anniversaire, on débriefe une défaite, mais parler de ça, voilà, on ne s'y attendait pas, et là, on n'a qu'une chose à dire, c'est force et courage à Evan Indica, parce que dans ces moments-là, t'as pas envie de débriefer. Bon, il y a eu en plus de ça, le match, à certains moments, c'était pas ça, c'était pas génial. On fait 1-1. Bon, le match en lui-même n'est pas, on perd pas. C'est pas abandonné, parce que je vois, alors c'est les termes de certains logiciels qui disent abandon. Normalement, ça devrait être rejoué plus tard. Hein. Le match va être rejoué plus tard et va reprendre normalement. Après, je sais pas les règles, s'il y a tout qui va changer tout ça, mais ça devrait reprendre à la 71e. Donc bonsoir Triangle, bonsoir Loca, Gaëtan, Nicolo Dionne. Si vous avez envie de parler, Evan Indica, ah ben, il y a Emen qui a appelé, donc je vais le prendre. Hein, voilà, le meilleur cadeau sera Indica qui se. Alors, on va en parler de parce que. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez? On va pas débriefer. Ça sert à pas grand-chose de débriefer le match. Avec ce qui se passe, et la vie d'un homme est tellement plus importante que... Ouais, c'est mon anniversaire. Ouais. Salut, supporter Liverpool. Solé, ma petite Solé, j'espère que tu vas bien. On n'arrive pas à se trouver avec des passes, mais on n'a pas été bon en première mi-temps. Oui, on n'a pas été bon. Et voilà, donc le meilleur cadeau, c'est vrai, Betotti, c'est vrai, ça. Le meilleur cadeau, ça serait alors, il est à l'hôpital, il aurait fait un infarctus, hein, donc on va suivre les... On va regarder un peu les actualités de ce qui se passe. Hein. Donc là, il y a Gianluca Di Marzio qui a dit que toute l'équipe de la Roma se rendra à l'hôpital où se trouve Indica. Donc ça, c'est normal. Le geste de l'équipe, suspendu. Comment ça marche pour récupérer les minutes restantes? Donc bon, ça, on va lire ça, hein, parce que bon, ça c'est un article. La Roma, média silence après le... Bon, alors il a fait un infarctus, hein. Il a fait un infarctus. Les joueurs très sensibles, hein, à ce qui s'est passé. De Rossi... Alors d'habitude dans ce genre de... Alors soit ça continue à jouer, mais là vraiment, tout le monde était d'accord pour arrêter le match. Hein. Le défenseur de la Roma, Evan Indica, s'est effondré sur le terrain au milieu du match, vers la 71e. Il est maintenant transporté à l'hôpital pour des tests. Voilà, le match a été suspendu. Hein, voilà, ça va être rejoué. Je vais pas dire qu'il est en pleine forme, mais voilà, il est en vie. Hein, voilà, il est en vie. Oui, ce sont des gens formidables, Udinese. Ben là, pour le coup, il fallait être un petit peu formidable. il est conscient, voilà, il est conscient, c'est le mot que je cherchais. Il est conscient, il est vivant, voilà. À l'hôpital, conscient et en code jaune, donc un degré moindre d'urgence. Voilà, ben après, les choses comme ça, on le sait, avec... Il y avait eu le Danois, qui d'ailleurs, j'ai perdu son nom, veuillez m'excuser, il y a Kier aussi, non pas Kier, voilà, non, c'est Kier qui avait son ami, qui avait sauvé son, c'était en, ben voilà, par exemple, beaucoup de joueurs qui après jouent avec des pacemakers,
J'ai oublié son nom, c'est indigne de moi. Je suis vraiment désolé. La Roma a un banc faible, dommage, beaucoup de joueurs sur son côté. Bon, alors il y a la partie football. Eriksen, voilà, Eriksen. Eriksen dans la vie, mais il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui jouent après avec des. Eriksen, voilà, merci Eriksen. Honte à moi. Honte à moi de. Et le joueur aussi, alors là, une deuxième honte à moi, c'est le joueur hollandais aussi qui avait eu aussi un problème, je crois. Et d'ailleurs, j'en perds mes mots, c'est incroyable. Il joue aux Pays-Bas. Vous allez me le retrouver, il a joué à Manchester, il a joué aux Pays-Bas. Quand vous allez me dire son nom, je suis ah, l'arrière gauche, arrière droit. Oui, donc voilà, bonsoir James. Non, c'est pas Nouri. C'est pas Nouri que je cherche. C'est pas du tout ce joueur-là. Bon, je vais prendre Ayman, parce que du coup, il y a Ayman qui a appelé. Mon cher Ayman. Il est où, mon cher Ayman? Il est là. J'appelle Ayman. Il y a Thomas Prévost aussi qui a appelé. Non, non, c'est. Ah, mince, c'est. Blind, merci. Blind, 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 blind. C'est dur, hein, quand vous n'avez pas les noms en tête. Hein, c'est incroyable. C'est trou de mémoire. Blind, voilà, c'est Blind. Qui avait eu des problèmes de cœur aussi, je crois. Il avait eu des soucis, Blind. Bon, c'est déjà bien que je sache un petit peu. Et qui, des fois, voilà, des problèmes. C'est Blind, Blind, ouais. Eriksen, Blind. Y a Ayman qui est là. Bonsoir. Bonsoir, Ayman. Tu vas bien? Bah oui, ça va. Bon. Jusqu'à la 72e minute, Jusqu'à ça ouais, choque. là c'est compliqué là ce qui s'est passé vraiment donc toutes nos forces vont pour Evan Ndicka. Astori aussi, Astori, c'est vrai, il faut Astori qui on a fêté je crois c'est ça c'est les 7 ans de la disparition de Astori aussi problème de cœur également donc qui a joué à la Roma David Astori qu'on n'oublie pas. C'est vrai C'est pas, puisque j'ai lu, moi, je pense que c'est une chute au niveau de la circulation sanguine. C'est pas un problème cardiaque. Il est conscient, donc ça c'est déjà bien. C'est une Juste très bonne chose. chute au niveau de la circulation sanguine, voilà. À aucun moment, alors ça c'est Planeta Roma, les Espagnols. À aucun moment, Ndicka n'a eu besoin d'un défibrillateur ni au stade ni en chemin à l'hôpital. Le joueur a toujours été conscient. Bon, ça c'est Planeta Roma. Au passage, entre ces soucis-là, on félicite Leverkusen. Leverkusen, champion pour la première fois de son histoire, champion d'Allemagne. Donc bravo à Leverkusen, qui font partie de notre groupe en Europa League, si jamais on passe. Ndicka a subi un ECG au stade, après quoi il a été transporté à l'hôpital pour des tests plus approfondis. Il est arrivé en code jaune. Donc voilà, ça c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure dans le chat. Donc. Bon, quand il y a des choses comme ça qui se passent, mon cher Ayman, ça parle même plus football. Hein, là, Le plus important, c'est la santé du c'est la santé joueur d'Evan. qui est en bon état, sa famille. Même, Oui. il n'y a plus le goût pour Ouais. débriefer le football. Qu'est-ce qu'il a? Ben, il a fait un. Alors, il y a Sean qui dit c'est un infarctus du myocarde. Die Ndicka, il nous dit Moonlight. Mauro Sully, le joueur de série B, est décédé sur le terrain. Ouais, Mauro Sully. Alors ça, je connaissais pas ce joueur, mais merci Bettotti pour l'information, le décès. Décès du joueur en 2011. Mauro Sully. Bon, voilà, l'équipe a quitté le stade, hein, mon cher Ayman. Ils vont aller à l'hôpital. Santa Maria della Misericordia à Udine, l'hôpital où est Eva Ndicka. On va prendre également. Bon, ben là, on n'est pas dans un format standard de débrief, les amis, vous l'aurez compris. Place aux émotions et à la force pour Evan Ndicka, notre défenseur. Défenseurs de la Côte d'Ivoire également qui ont gagné la Coupe d'Afrique aussi. Donc c'est un joueur qui a une stature maintenant pour le pays. Qu'est-ce qui se passe? Courage à l'équipe. Salut à venir. Salut. Ben, match arrêté à la 71e, les amis. Problème
cardiaque pour Evan Ndicka qui s'est effondré sur le terrain et donc du coup transporté à l'hôpital. Match qui a été suspendu, que ce soit du côté de l'AS Roma, que ce soit du côté de Udine. Les supporters ont applaudi Evan Ndicka à sa sortie. On est avec Thomas Prévost aussi qui a appelé, mon cher Thomas Prévost. Salut tout le monde. Ça va mon cher Thomas? Ça va, ça se passe bien. À voir, ça part ce qui s'est passé pour Ndicka. Ouais. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. On était bien dans le match, on revenait. Ouais. À ce coup, il y a eu cet accident. Vraiment, j'étais abasourdi. J'ai même pas envie de débattre là. J'ai même pas envie de. Ah ben là, c'est. Ouais, non, mais après, dans des conditions comme ça, comme on disait avec Ayman, on débat plus. Quoi. La vie d'un homme qui. Ça dépasse. La vie d'un homme. C'est. Ah, mais c'est. Tu vois, ça me fait penser un petit peu à ce qui s'est passé à Marc Villafouet. Bah, c'était à peu près dans les mêmes conditions. Il joue, et puis à son coup, il tombe. Et puis, hop, on apprend seulement quelques heures plus tard. Bon, là, j'espère. Bon, j'espère que ça n'arrivera pas Evan. Bon, force à lui et sa famille, force à l'équipe de voir ce qui s'est passé, force à nous. Ouais. Et vraiment, waouh, c'est. Ah, tu t'attends pas à des choses comme ça. Non. Tu vas faire. Tu fais ton match et tu. Bon, après, oui. Tu t'attends à ce que. À t'attaquer à l'équipe ou à encenser l'équipe ou à démonter l'équipe en fonction du score. Mais tu t'attends pas à ça, quoi. Tu t'attends pas à ce qu'un homme tombe à terre, quoi. L'infarctus du myocarde est une crise cardiaque causée par la destruction d'une partie du muscle cardiaque appelée myocorde. Ouf. Myocarde. Ouais. Alors myocorde. Il me dit myocorde. C'est. Myocarde. Je sais pas trop à quoi ça correspond, mais ce sera un muscle, c'est ça. Ouais. Un muscle. Bon, on va pas rentrer dans les schémas médicaux, les amis. On n'est pas dans le médical. Mais bon, voilà, de le voir s'écrouler comme ça, conscient quand même, conscient, il est sorti sur civière. Mais il y a aussi cette réaction de les joueurs se sont précipités. Daniel De Rossi n'a pas laissé, il laisse pas passer quoi. On arrête, on prend pas de risque. Et ça, c'est une bonne chose. Parce qu'il y a des matchs comme ça où le joueur s'effondre, bon, il part sur civière, mais après tu te dis bon, ben on continue quoi. Mais là, on ne prend pas de risque. Là, c'était vraiment c'est pas de risque. C'est pas une blessure normale pour continuer. Donc, c'est quelque chose de dangereux. Le joueur concentré. Oui. C'est impossible de te concentrer. Non, tu peux pas. Ton ami est sur une civière en train de partir. Tu peux pas. Les amis, on a Stéphane qui est avec nous. Bonsoir Stéphane. Salut les gars. Salut à tous. Amouroba.fr, les amis, Stéphane. Alors Stéphane, on t'écoute. Alors, écoutez, Stéphane, hein, parce que là c'est Udine, c'est à l'extérieur, mais. Je suis à la maison comme vous, mais je ne sais pas si vous avez un petit peu parlé de ça, mais j'ai un fil d'actu en live d'un journal qui est assez sûr à Rome. Du coup, je ne savais pas si vous aviez des infos ou non. C'était pour vous donner un petit peu les infos qui, c'est pas officiel non plus, mais c'est des sources qui sont assez sûres. Ouais. Sur ce qui s'est passé, l'état de santé. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez eu des infos, si vous avez le temps de faire. On a commencé le live il y a un quart d'heure. Alors je suis l'actualité au fil de Twitter, mais on t'écoute. Tout est bon à prendre, hein, Stéphane. On t'écoute. Dans la chronologie, je le lis en même temps. C'est en italien, je vous le fais en même temps. Bah, merci beaucoup. Pas de souci. 19h51, les premières infos arrivent du club. Et communique que le garçon est conscient, qu'il a été amené à l'hôpital. D'après DAZN, à 19h53, il y aurait peut-être eu un petit infarctus, mais ça reste au conditionnel. 20h02, d'après Sky, Ndicka a fait son premier électrocardiogramme au stade, mais l'électrocardiogramme ne permettait pas de dire qu'il n'y avait aucun problème cardiaque. Donc il est arrivé à l'hôpital en code jaune et non rouge, comme ça a été annoncé. Donc, code jaune, c'est qu'il n'y a pas de danger vital. Voilà, c'est qu'il y a un problème sur des organes vitaux, mais il n'y a pas eu d'interruption de signes vitaux ou autre. 20h04, en attendant de comprendre les conditions du défenseur, ni le Dinez et ni la Roma ne s'exprimeront à la presse. 20h07, normal.
l'électrocardiogramme qui a été fait dans le vestiaire a donné quelques doutes, c'est ce que je disais tout à l'heure, quelques doutes sur un dysfonctionnement cardiaque. C'est pour ça qu'il est parti en urgence à l'hôpital. Et après, les dernières infos qu'on a, 20h07. Alors, la Roma, sur son canal officiel, a annoncé qu'il aurait eu un malaise sur le terrain. Son état était en suspens. Il est conscient qu'il a été transporté à l'hôpital pour faire des examens plus poussés. Mais apparemment, il n'y a pas de danger sur sa vie ou des problèmes beaucoup plus graves. Le centre hospitalier où il est, donc il est bien rentré en compte jaune. Et il précise bien que Indica n'est pas. Sa vie n'est pas en danger. Bon, 20h18, pour terminer, je n'avais pas lu. 20h18 et j'ai terminé là-dessus. D'après Sky, la Roma, qui devait rentrer directement à Rome ce soir pour le match de Milan, préfère rester à Udine pour rester au chevet du joueur hospitalisé. Donc voilà, pour l'heure actuelle, pour résumer, c'est un petit malaise. Après, est-ce que ça peut venir du coup de coude qu'il a pris pendant le match? Parce qu'on a vu qu'il a pris un bon coup de coude dans la poitrine. Oui. Est-ce que c'est ça qui aurait un petit peu perturbé ses signes vitaux, enfin ses signes cardiaques, et qu'avec la pression, la course et la tension qui monte, il aurait fait un petit malaise? Mais dans tous les cas, il est resté conscient. On n'a pas vu s'évanouir. Donc déjà, il n'y a pas de syncope ou autre chose comme ça. Donc voilà. Donc c'est juste pour dire, on va avoir beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Hormis les autres clubs qui se réjouissent un petit peu des malheurs de la Roma, c'est pas très, très, très classe. Mais sinon, c'est juste pour vous dire, voilà, apparemment, il n'y a pas de problème vitaux et c'est juste des examens qui vont être faits pour voir si c'est un petit malaise ou s'il y a un problème plus poussé, mais pas de danger pour sa vie. Bon, ça c'est déjà très, très bien. Ça c'est déjà... Voilà, sa vie n'est pas en danger. Et vous en doutez, les amis, il ne jouera pas jeudi. Hein, voilà, ça c'est, je pense qu'il va pas prendre de, voilà, ça c'est sûr, il ne va pas prendre de risques. Ils ne sont pas fous. Donc ouais, ils vont rester à Udine, hein, mon cher Stéphane. Ils ne vont pas rentrer. C'est voilà. Ça. Alors là, c'est la dernière info qu'on a, c'est 20h18. Il n'y a pas d'info depuis 20h18, donc ils doivent attendre d'avoir des résultats. Et après, au niveau du match, normalement, donc on s'arrête au 1-1. Et on devrait reprendre à la 71e pour terminer le match. Normalement, ça devrait se jouer le lendemain. Sauf que Milan approchant, ben, peut-être que ça ne se fera pas tout de suite. Donc, à voir aussi quand le match se terminera. Mais le match va reprendre à la 71e, au moment où on a arrêté le jeu pour Indica. Même si l'annonce de la suspension est à la 82e, on reprendra au moment du jeu. Et on terminera le match à une date ultérieure. Pour juste souligner, j'ai vu dans les commentaires que ça y était. Juste souligner Udine, que ce soit l'entraîneur, le coach ou même les supporters qui ont tout de suite accepté d'arrêter le match et qui ont applaudi la fin du match, la partie du handicap. Voilà, bel esprit au stade. Bel esprit. Ouais. Non, il y en a qui ont l'air allé, ouais, faut pas arrêter, on s'en fout, Non, là, il y a eu un bel esprit. Le truc, c'est qu'il y a eu tellement de cas qu'il y a déjà eu. Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, entre ceux qui ont eu des problèmes cardiaques et ceux qui sont décédés sur un terrain. Voilà, quand c'est un problème physique, une jambe cassée ou autre, bah, tu l'évacues et puis le jeu peut se terminer, il n'y a pas de souci. Et quand ça touche les signes vitaux, c'est toujours compliqué de continuer à jouer alors que tu as peut-être quelqu'un qui est entre la vie et la mort à l'hôpital. Là, ce n'est pas le cas, mais on ne pouvait pas le savoir au moment de sa sortie. Alors, bien, je trouve que ça a été bien géré. L'arbitre a bien géré les choses. Et aussi, il a eu la bonne attitude d'aller au vestiaire pour voir ce qui se passait. Et puis voilà, Udine a très, très bien réagi. Même les supporters ont applaudi quand on a annoncé la fin du match. Donc voilà, très bien, et je pense qu'il ne faut pas trop s'alarmer non plus et attendre d'avoir des infos officielles du club dans la soirée. Et espérons qu'il n'y aura pas de séquelles, moi c'est un peu ça aussi que j'ai peur sur le coup. J'ai pas compris, pardon. Qu'il n'y aurait pas de séquelles, qu'il n'y ait pas de séquelles pour la suite. Qu'il n'y aurait pas de séquelles pour lui plus tard, pour qu'il puisse continuer sa carrière et tout normalement. Ah non, alors je pense pas, parce que les séquelles, c'est si c'est un problème que tu as depuis longtemps ou qui se développe. Là, si c'est sur le coup que le cœur s'est un peu emballé et qu'avec le rythme cardiaque que tu as sur un match, enfin, je ne suis pas médecin, mais voilà, si c'est le coup qui a peut-être déclenché ce petit malaise, ça, c'est quelque chose qui ne va pas rester et qui ne va pas traîner avec lui. Mais bon, après les examens, dans la soirée, ils pourront le dire, on aura un canal officiel du club, on aura des infos. De toute façon, les médecins de la Roma sont à l'hôpital avec les médecins de l'hôpital. Donc, ils ne vont pas prendre de risque, les amis. Ils ne vont pas lui dire, tu rejoues demain. On n'est pas fous. Enfin, ils ne sont pas fous. Ouais. Ils sont, ouais. Après, voilà, je veux juste rappeler, parce qu'on connaît les réseaux sociaux et tous les sites qui peuvent, tous les sites italiens et autres, bien sûr. Ils sont en chair pour faire du clic et de la lecture. Et après, voilà, pour le moment, il n'y a c'est pas bien. De. Déjà, ce n'est pas un code jaune.
Il n'y a pas à s'alarmer normalement. Ouais. De la manière, les amis, quoi qu'il arrive, vous aurez des informations sûres et fiables sur amouroma.fr et demain soir avec Dario et Emric sur Instagram. Donc, on va suivre ça. Voilà, les infos sûres sur Amouroma, ça ne vient pas de nous. Hein. On récupère les bonnes infos sur les bons sites. Stéphane fait un bon travail de récupération. Il ne dit pas n'importe quoi. Il ne va pas marquer n'importe quoi sur le blog. Voilà. Donc, ça, les informations. Préciser, ce n'est pas nous qui avons les infos. On n'a pas le téléphone de Delos aussi. Ah oui, bon. Donc, on récupère tous d'autres mots. Exactement. Mais voilà, c'est sérieux. Et puis, une fois qu'on regroupe 5-6 informations qui sont différentes à peu près les mêmes, on peut les diffuser. Mais dans tous les cas, il y aura un communiqué officiel du club dès qu'il y aura quelque chose. Donc, on sera au courant dans la soirée. Il y a Elias qui dit merci pour le retour. Je ne sais même pas s'il est nécessaire de parler du match en lui-même. Tout derrière lui et super comportement de supporter. Ah oui, non, mais de toute façon, on a parlé 5 secondes du match. Là, on a rien dit de. Enfin, on ne parle même pas du match. Quoi. Là, c'est vraiment Evan Ndika qui nous. Voilà, on pense à Evan Ndika. Hein, quoi qu'il a. Il y a Solé, merci Steph. Betotti, merci Steph. Dario qui merci pour l'information, Steph. Oui, c'est Blind, Federico, le joueur dont je pensais. Merci beaucoup pour l'anniversaire, Clem. Merci beaucoup. De la récupération d'infos à 2 euros par mois. Oh, putain, beaucoup. Non, Laurent. Je ne sais même pas pourquoi j'ai lu ce commentaire. Le principal, c'est qu'il aille bien. D'ailleurs, les amis, Stéphane, il ne veut pas le couteau sous la gorge. Hein. Si vous voulez pas, ne vous abonnez pas. Il ne vous met pas le couteau, Stéphane. Hein, il ne vous le met pas. Donc, tout le monde fait ce qu'on veut. Il ne faut plus en parler, Romain. Les gens sont au courant de ce qui se passe. Ceux qui veulent, ils viennent. Ceux qui ne veulent pas, ne viennent pas. Mais après. Après, si c'est pour mettre des trucs comme ça, ça ne sert pas à grand-chose non plus, mais il n'y a pas de souci. Puis c'est 99, ce n'est pas 2 euros, c'est un peu plus cher. Ouais. Ça, tout le monde est au courant. Ouais. Mais les amis, il faut juste comprendre, je le dis parce que bon, c'est un live spécial Evan Ndika. Mais les amis, Stéphane paye, c'est un serveur. Il y a de plus en plus de monde qui va, parce qu'il faut que vous compreniez en fait, parce que peut-être qu'il y en a qui ne comprennent pas, mais en fait, Stéphane paye un serveur. Si je peux te couper, Romain, si je peux te couper 2 minutes, c'est écrit, on l'a diffusé sur tout. Bah voilà, C'est pour aider, les amis. Ils vous veulent pas. Ah, et puis, c'est un coup à chaque fois, quoi. Et puis, vous faites pas. Non, il n'y a pas de souci. Juste, moi, je termine et puis je vous laisse là-dessus. Je voulais juste terminer avec quelque chose, mais ça y est, j'ai oublié. J'ai oublié. Ouais, je l'ai fait oublier. Bon, Laurent, c'est pas, on va pas se disputer pour ça. Mais voilà, les amis, c'est pas grave. Bon. Ah oui, non, c'est juste pour vous dire. Voilà. Je voulais juste préciser qu'il y a quand même l'article sur Amouroma. Parce qu'en fait, l'article, je le fais au fur et à mesure du match. Donc, l'article, il s'arrête à la 82e quand le match s'arrête. Mais du coup, il y a quand même un article qui est fait. Mais pareil, ce n'est pas pour débriefer du match, c'est juste pour donner le déroulé un petit peu du match. Après, bien entendu, ce qui est plus important, c'est ce qui s'est passé sur le terrain et pour la santé du joueur. Donc, il n'y a pas grand intérêt de faire des articles et de décortiquer le match et des joueurs. On aura le temps de le faire une fois que le match sera terminé, quand il aura repris tranquillement. Ouais, voilà. Très bien. Allez, pour terminer tranquillement, je vous écoute. Bonne soirée à merci tous. Merci Stéphane, merci d'être venu. Allez, les gars. Merci Stéphane, merci. Oui, non, mais c'est pas grave, Laurent, c'est pas grave. C'est, on va pas rester sur ça. T'inquiète, Laurent, c'est pas de problème. Merci pour le retour. Tout le monde a pris la bonne décision, Solé. Le football est un jeu, la vie d'un homme. Et c'est ça, Jonathan. C'est ça. Ben voilà, les copains, écoutez, on va regarder vite fait s'il y a encore de. Je regarde s'il y a encore des informations sur Evan Ndika, s'il y a eu des évolutions. Merci à Stéphane d'être passé. Le Romain, voilà, donc ils vont tous à l'hôpital, hein, voilà. Suite à l'urgence médicale, donc ça c'est le Romain français, hein. Suite à l'urgence médicale concernant Evan Ndika, survenue durant Udinese et Roma, le match a été arrêté. Le joueur est conscient, il est amené à l'hôpital, on va surveiller ses conditions. Forza, Evan, on est de tout cœur avec toi. Alors ça c'est nos amis espagnols. Aucun membre de l'Udinese et de la Roma ne prendra la parole devant les micros. Ah ben voilà, il nous l'a dit Stéphane, devant les microphones de la télévision et de la presse après ce qui s'est passé. Le fait de la Roma n'est plus au stade. Le club a déjà publié une note officielle de ce qui se passe. D'accord, bon ben voilà, je pense qu'on n'aura pas grand-chose de plus ce soir. Gianluca Di Marzio effectue des contrôles non seulement d'un point de vue cardiologique pour vérifier éventuellement des traumatismes puisqu'il a subi deux impacts pendant le jeu. Pendant ce temps, le reste de l'équipe va également... Bon ben voilà.
Bon, pas trop de. Bon, on n'a pas d'actualité, de manière. De toute façon, on n'est pas sur la presse people, hein, les copains. Là, c'est la vie d'un mec, donc il est à l'hôpital et voilà quoi. En fonction de Milan peut-être reporté. Non, Milan ne sera pas. Ça, par contre, Milan ne sera pas reporté. Hein. Je pense que pas que l'UEFA s'en tape d'habitude encore. Non, mais de toute façon, ça c'est. Non, je pense que personne ne s'en tape. Hein. Mais l'Europa ne va pas être reporté. Bon, c'est sûr, ça va pas reporter, c'est sûr. Non, on débriefera quand le match reprendra. Alors, en tout cas, Romain, je sais pas si tu as vu, mais j'ai jamais vu Daniele à visage aussi marqué. Ah, ça oui, et j'ai eu peur. Hein. J'ai eu peur parce qu'à un moment donné, il y a une image sur lui où il revient. Et je dis non, je lui dis non, c'est pas possible. Il n'a pas. Il a, ouais, il, voilà. Et puis finalement. Même, ça va, finalement. C'est la même chose. Ça évolue, Laurent. Les choses évoluent. C'est comme ça. Il faut. Les choses, il y a une évolution à tout, il y a un changement à tout. Mais ça marche pas comme ça en fait. C'est plus compliqué que ça, Laurent. Un site, ça, c'est. En fait, je le dis rapidement parce que je voulais pas embêter Stéphane tout ça. Mais en fait, c'est un serveur. Au début, à la base, tu commences avec un serveur petit, pas trop cher. Et après, tu as du flux. Le flux, les gens. Hein, le flux, c'est les gens. Tu ramènes du contenu. Quand tu postes des articles, quand tu mets tu alimentes avec des images, ça a un poids, hein, ça a une taille sur le serveur. Et le flux, ça ramène. Il faut que quand tu es au début, 100 personnes, tu t'en fous. 200, 300, 400. Vous voyez, les articles, ils font plus de 1500 vues. Donc, ça veut dire qu'il y a eu 1500 clics. 1500, 1500, 1500, 1500. Ça veut dire que sur une visite en une journée, il faut pouvoir le supporter. Et donc, du coup, les coûts de serveur. En plus de ça, y a tout qui augmente. Donc, forcément, le coût d'un serveur. Et le gars est tout seul. Stéphane est tout seul à gérer ça. Donc, c'est pour ça qu'il demande une petite aide qui, après. Te permet de rentrer dans le WhatsApp, de discuter dans des discussions privées, machin, tout ça. C'est un petit bonus. Il ne vaut pas le couteau sous la gorge. Je vous oblige pas à vous abonner. Après, il y a des articles qui sont libres de droit aussi, hein, également. Voilà, mais c'est juste pour la petite explication de pourquoi le système est mis en place à 2 euros. C'est pour aider justement le serveur, parce que ça coûte cher un serveur. C'est abominable comme ça coûte cher un serveur. Mais bon, c'est comme ça. Chaque article qu'il publie, ça lui coûte aussi. Comment ? Dès qu'il publie un article, ça lui coûte aussi. Ça lui coûte du temps, ça lui coûte le poids du serveur. Parce que c'est-à-dire qu'en fait, tous les articles ne sont pas supprimés, les photos qu'il pose sur le blog ne sont pas supprimées. Donc du coup, ça, il faut à chaque fois des gigas de stockage. Voilà, de stockage, il faut du stockage, et le stockage, ça se paye. C'est, mais c'est pas, voilà, c'est on va pas s'arrêter sur ça, les amis, c'est bon. Voilà. Donc, les copains, bon, on n'aura pas plus d'actualité que ça. On ne va pas débriefer le match. Mon cher Ayman, oui. Le match sera. Donc, le match n'est pas suspendu. Il n'y a pas tapis vert. Il va être repris. Hein, quoi qu'il arrive, 20 minutes, il va être repris dans les quelques jours qui arrivent. 20 minutes, par rapport au match, ça sera difficile quand même de jouer juste 20 minutes pour pouvoir jouer, marquer un but. Ce sera difficile, mais quand même, il sera rejoué pendant 20 minutes. Voilà, le plus important, ce que j'ai dit, que le joueur il sera en bon état, il revient à ses coéquipiers, à sa famille. Le reste, il peut être rattrapé après. Si on veut parler... Bon, je ne sais pas si on veut parler des résultats. Aujourd'hui, il y a Bologne qui termine son match 0-0. Donc, ça nous servit quand même. Elle n'avance pas. Ouais. Sinon, je t'ai dit, le plus important aujourd'hui, c'est Indica qui revient et il sera en bon état de santé. Les amis, parce que là, du coup, on n'a même pas. On débriefera quand le match sera terminé à 90 minutes, les amis, comme ça. Le match n'est pas terminé, donc peut-être qu'ils vont reprendre dans quelques jours, et dans 20 minutes, il va y avoir une remontada de folie.
On ne sait pas, voilà, c'est pour ça. Et on débriefera, on reviendra sur ce qui s'est passé, parce que gardez-le en mémoire, hein, messieurs. Voilà, si jamais vous appelez à ce moment-là, gardez en mémoire. Vous aussi, dans le chat, gardez en mémoire ce qui s'est passé aujourd'hui en termes de match. Et puis on regroupera ça avec les 20 minutes restantes pour la prochaine fois. Je pense que c'est le mieux. Hein, voilà, on va pas. Oui. Donc, il y a. Bon, ça, à la prochaine, Laurent. Laurent, c'est faut pas, voilà, reviens, t'inquiète pas, c'est pas grave. Reviens, Laurent. Voilà, enfin, ne faut pas se disputer, les amis. Faut pas, on est une communauté. Faut pas se disputer. Y a pas de souci. Alors, on Surtout pour avance, on avance. Hein? ça, il faut Oui, pas se surtout disputer. pour, voilà, on va pas se disputer pour 2 euros, les copains. Voilà, y a pas de souci avec ça. Merci, Laurent. Les choix de DDR. Bon, on en reparlera, Shems. Restez connectés pour la prochaine fois. On commentera les 4 minutes de ce match. Votre son est faible. Ah bah, alors là, notre son est faible. Pourtant, je réécoute à chaque fois vite fait mes replays. Pourtant, le son est bon, hein. Le son est plutôt bon. J'ai fait des. Je sais pas, Triangle, si c'est mercredi. Franchement, là, pour le coup, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Salut, Non, Cyril. je pense le match il sera remporté même en fin de saison peut-être parce que le Peut-être, calendrier hein. est très chargé. Ouais, est très chargé Peut-être. l'école. Salut, docteur. Docteur. Oui, il voulait faire tourner, mais bien évidemment, il voulait faire tourner. D'ailleurs, on fait jouer Christian T ce soir parce qu'il pourra pas jouer jeudi. Tu fais jouer Christensen, tu fais jouer Henri Lino parce qu'il ne commence jamais des matchs, Henri Lino en Europa League. Donc oui, il fait tourner. Il fait tourner, bien évidemment. Les amis, voilà, je ne vais pas vous embêter plus que ça. Donc voilà, nos pensées à Evan Ndicka qui va beaucoup mieux. Les joueurs sont à son chevet. Force à la famille, force à lui, bien évidemment. Et bien évidemment, nos têtes sont à jeudi soir parce qu'il y a un match très très important jeudi soir et j'espère que psychologiquement ils vont pas être entachés, voilà, qu'ils vont pouvoir justement se dire bon, on va passer pour Evan Ndicka et je pense qu'ils vont le faire. Ils vont passer pour Evan Ndicka. Ça peut donner une motivation Ça supplémentaire, en peut tout donner une cas. motivation supplémentaire. Ça peut donner une... et franchement, ils vont le faire. Ils vont le faire pour Evan Ndicka et on va le faire, les amis. Ouais, Danny Edin. Note positive, l'héritage du classement actuel assure la place à l'essai de la Roma. Ah. Eh ben, espérons-le. Espérons-le à la fin de la saison. Les amis, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Désolé du live retard et désolé de, ben, voilà, de proposer ce genre de live. C'est l'actualité du moment. Voilà. Ils sont arrivés à l'hôpital. Hein. Il Romanista. Voilà, ils sont arrivés à l'hôpital. De toute façon, vous aurez tout sur amoroma.fr et AS-Roma francophone. Et les amis, demain soir, n'oubliez pas 21h, Dario et Emric sur Instagram. Hein, voilà, ils seront sur Instagram pour l'actualité de Evan Ndicka et celle de jeudi sûrement. Ah oui, ben espérons-le, Gaëtan. Espérons-le qui. Merci. Je réponds. Ah oui, je répondrai à tout le monde même pour. Merci. J'ai reçu plein plein de messages. Je vais répondre à chacun d'entre vous. Hein, parce que ça, je le fais à chaque fois, chaque année, je réponds à chacun d'entre vous. Mais voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et voilà. Merci, merci infiniment. Salut Tony Roma. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le match a été arrêté? Eh bien, Tony Roma. Evan Ndicka a eu un problème, un infarctus sur le terrain. Mais il va bien. Il est à l'hôpital, voilà, mais il est conscient. Voilà. C'est ce que. Toute l'équipe est arrêtée à l'hôpital. Merci beaucoup les amis pour vos messages d'anniversaire. Merci infiniment. Il faut qu'on passe et qu'on gagne. Eh oui, Forza Roma, Triangle, Forza Roma. Oui, on espère. Mais, merci Solé, merci. On est tous avec Evan ce soir. Oui, c'est une bonne nouvelle qu'il soit conscient. Oui, il fait des tests, mais c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Bon, on aurait évité ça, mais bon. Hier, j'ai mis un commentaire par rapport au match contre Milan, match retour. J'ai dit que le grand travail sera psychologique. Après, le cas de Ndicka,
on a besoin d'un travail psychologique et un double effort pour mettre les joueurs en bon état et se concentrer et même apporter le match pour leurs collègues. Voilà. Ouais. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Et le fait qu'ils soient hors de danger, je pense que ça libérera les joueurs. Déjà mentalement, je pense que ce sera déjà mieux. Ouais. On espère tout ça, les amis. Eriksen a dû s'exiler en première ligue afin de contourner le règlement. C'est vrai. Je crois que c'est vrai, ça. Je sais pas si vous êtes sûr. Un truc comme ça. C'est sûr des trucs de problèmes cardiaques. Parce que moi, ce que j'ai entendu du commentateur de match, et il y a aussi d'autres commentaires, c'est pas un problème cardiaque. Juste une chute de circulation de sang, c'est tout. Une baisse grave du tension, voilà. Une baisse grave de la tension. Ouais, c'est pas un problème cardiaque. C'est pas un problème, d'accord. Je sais pas, on verra après si c'est vrai ou non, mais c'est ça ce que j'ai entendu du commentateur en live directement. D'accord. Alors juste les amis, je voulais juste revenir sur. Alors c'est pas encore le moment de parler de sa carrière, je pense. Non, on va pas. Non, ça surtout pas. Daevan et Oguria, merci beaucoup Francesco. Merci à Théroma, Daeroma, Daeroma. Donc Malès Vagal, ça donnerait ça. Un coup, ouais. Un choc peut-être, après une réaction du corps, le football, le cœur qui s'emballe. Je vais ajouter un petit commentaire, parce que ce que je le savais, Indica et Roma, bisous. Donc, Indica et quoi? Il y a du bruit qui attendez, il y a du bruit qui se répète. C'est bon? C'est bon là, c'est bon. Oui. Excusez-moi, les amis, excusez-moi. Je indique à quoi? Bon, ce que je le savais, je pense que Indica est musulman. Il fait donc le ramadan. C'est pour ça que ça peut expliquer pourquoi la chute, la baisse de tension. Pourquoi est arrivé? Tu sais qu'on vient de sortir du ramadan, ça fait 3 jours. Donc, si il est en train de faire le ramadan avec le rythme des entraînements qui est très fort, donc ça peut expliquer pourquoi cette chute. D'accord, ok. Bon, oui, possible. Mon Dieu, assiste notre peu Indica. Salma, il est à l'hôpital, Salma Indica, hein, donc il est conscient, il fait des tests, mais sa vie n'est pas en danger, hein, voilà, Salma. Donc. Voilà, oui, que Dieu lui apporte la force, hein, d'accord. Mais voilà, il n'est pas en danger. Prompt rétablissement. Voilà, c'est ça, Salma. Bonne soirée, on croise les doigts. Oui, Amen, cette baisse de tension est due à l'infarctus. Il y a Dani qui dit possible. Rabol. Comment ça? Docteur Bayer. Il y a un docteur qui veut appeler et donner son avis professionnel. Non, mais c'est une connerie, Amen. Ça fait plusieurs fois qu'il vient sur les... Non, c'est une connerie. C'est là, il n'est pas dit. Non, c'est une connerie. Non, par contre, le coup du qui s'exilait, que Eriksen s'exilait en première ligue, ça, je pense que tu as raison. Mais sinon, c'est une connerie. C'est un petit rigolo, notre cher docteur. Juste les amis, voilà, je vais tout vous remercier pour les messages d'anniversaire, mais je voulais juste passer, je lui ferai un petit coucou à Mathia, voilà, Mathia qui m'a envoyé un petit message, et voilà, la tribu de Mathia, voilà, merci Mathia, merci à toi et ta famille, merci beaucoup mon cher Mathia, merci pour m'avoir souhaité un joyeux anniversaire, et à vous tous aussi également les amis, hein, merci de m'avoir souhaité un joyeux anniversaire. Ça aurait été mieux qu'on gagne et que Indica soit debout. Mais... Oui, c'est ça, Christophe, c'est ça. Code John, modéré. Voilà, tu vois, regarde, Aymen, lis le dernier commentaire de Docteur, tu comprendras que...
Nous sommes de la Côte d'Ivoire, nous sommes très inquiets. Non, t'inquiète pas, Salma, t'inquiète pas, il est conscient. Merci Thomas Roriz, merci beaucoup, je vous remercierai tous un par un ce soir. Bon, les amis, on va se quitter sur ça. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Merci à Stéphane de nous avoir apporté des nouvelles grâce à l'actualité. À amourroma.fr, espoir francophone, les amis, vous êtes déjà abonnés, je le sais très bien. Facebook, Twitter, Tread, Instagram, le blog, YouTube. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à Ayman d'avoir appelé et d'avoir donné son avis. Profite bien de ton anniversaire, Oh, on va se joyeux reposer. anniversaire. Merci beaucoup, Et mon ami. Merci, merci. ça se passe bien maintenant avec Indica, donc il faut que tu profites de ta soirée aujourd'hui. Ouais. On va. Et merci à Thomas. Très beau d'avoir appelé C'est aussi. ce que j'allais dire aussi, bah, profite de ton anniversaire. Bon, là, apparemment, ça en est sorti. Comme l'a dit Emmaine, profite de ta soirée avec Oh. tous les amis, et puis voilà, faites-le comme il faut. Merci beaucoup, Thomas Prévost. Merci beaucoup. Mais non, mais docteur, je sais que. Mais non, t'es pas pris au sérieux. Mais bien sûr que non, t'es pas pris au sérieux, mon cher docteur. À chaque fois que tu viens, tu me dis bon anniversaire, Ayman. Profite bien. T'es plein de conneries, C'est pas docteur. moi, Si, c'est il est plein de Raval. conneries, mais il le Ouais, sait. Mais on l'a, le docteur Bayer, on l'a, docteur Bayer. Merci, merci Salma, joyeux bientôt pour nous. anniversaire. Merci beaucoup. Merci, Chacun merci. a des annonces. Merci Frédérico, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à tous et bonne soirée à tous. Bonne soirée Shems. Merci à tous, bonne soirée à tous. Et encore force à Evan Indica. Et on se retrouve demain chez Dario et Embrick 21h sur Instagram. Et puis nous, on se retrouve jeudi soir, bien évidemment, à partir de 21h avec Lolo Romaniste et Lucas pour vivre la grosse soirée de l'Europa League. Est-ce Milan, il faut qu'on passe et qu'on continue l'aventure européenne, les amis. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous embrasse, et messieurs, les. Forza Roma, mais Forza Evan Indica et Dae Indica. On est d'accord? Forza, Forza Indica. Forza Et Indica, Forza. bonne soirée. Ciao, Ciao, hein. ciao les amis. Ciao, ciao.